ça n'a aucun sens. Je sais pas pourquoi on fait ça. En vrai, ça fait longtemps qu'on parle de cette vidéo. Tu parles de cette vidéo. Je suis toujours seule dans mon truc, après je le force pour faire des vidéos. Aujourd'hui, on va essayer de ne pas rire. Sincèrement, je sais d'avance ce que je vais perdre. Juste le fait de savoir qu'il ne faut pas rire, ça me fait rire. C'est censé être un mélange de trucs beauf, un mélange de trucs de TikTok, de Twitter, de je sais pas. Je pense que ça va être catastrophique. Petite pause d'une minute pour vous parler de l'Occitane. C'est vrai que d'habitude, je vous parle de l'Occitane plutôt dans les vidéos de Get Ready, etc. Là, j'avoue que le thème, c'est pas le même, mais je me suis dit que ça sortait pas de nulle part parce que je vous en parle tout le temps. Aujourd'hui, on va parler de ma gamme préférée. J'aime tout ce qu'ils font. Mais alors, la gamme amande. Excusez-moi, est-ce que vous avez déjà senti la gamme amande? Je vous explique ce qui s'est passé parce que ça s'est pas passé comme prévu. À la base, Francis de chez L'Occitane m'a dit, Andy, il sait que c'est ma gamme préférée, est-ce que tu peux parler du concentré de lait, nanana, parce que je le mets tout le temps. Il m'envoie un petit colis parce qu'il m'envoie des petites recharges parce que j'utilise trop. Et dedans, il me met ça. C'est nouveau, apparemment, je crois que c'est un peu une édition limitée. C'est une brume, bah du coup à l'odeur de l'amande. Excusez-moi, après on parlera du concentré de lait. Mais je n'ai jamais senti une odeur comme ça. C'est-à-dire que si vous voulez sentir le propre, le bébé, c'est incroyable. Genre, je ne m'en passe pas, ça me donne envie d'en mettre sur mes vêtements. Quand je sors de la douche, j'en mets le soir après la crème. Ça n'a aucun sens, mais j'adore. Et du coup, pour vous parler quand même du concentré de lait, c'est une crème pour le corps. Il y a vraiment une particularité avec les crèmes L'Occitane. Déjà, j'aime trop le packaging, c'est un pot en verre, on aime beaucoup. Personnellement, je déteste, vous savez, les crèmes pour le corps qui colle. Oh là là, ma phobie, je déteste ça, genre dans mon lit collé. Genre vraiment, c'est ce qui a fait que pendant des années, j'ai pas mis de crème. Et L'Occitane, ils ont vraiment cette texture inexplicable qui pénètre direct. Là, vraiment, je sais pas comment c'est possible, mais ça hydrate hyper bien, ça rend la peau trop douce. En plus, c'est rechargeable. Franchement, c'est trop, trop bien. Si vous voulez tester d'autres produits, il y a aussi une huile pour le corps, une huile de douche. L'huile de douche, oh là là, j'aime trop. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Vraiment, L'Occitane, je vous donne les produits. Je sais que derrière, vous serez pas déçus, c'est trop, trop cool. Donc voilà, retour à la vidéo. Ah, ça me met trop mal parce que je sais que je vais exploser de rire. Je peux pas. Bah ouais, mais là, ça me fait trop rire. Hey guys, you wanna go fishing? We'll go fishing, okay? I'm big! C'est trop bon. En vrai, je suis fière de moi malgré tout. Pas très drôle. Genre, j'arrive à... À contrôler? Ouais. Pipi und Kaki im Pipi-Kakaland. Monsieur, j'adore vos lunettes. C'est pas la fibre que vous avez, c'est le chibre. Ça vous fait rire? Bah du coup, est-ce que vous acceptez mes excuses? Justement, je vous remercie de me les présenter, mais je les accepterai pas cette fois-ci. Si je vous... Pardon? Vous avez dit quoi? Viens, on mange un McDo en vidéo. Non, on a mis un truc, essaie de ne pas cringe, je crois que ça... C'est pas drôle. Pourquoi? Bah je sais pas, c'est drôle. Bah ouais, moi ça me fait rire. Thank you for the roses!
autre chose que de l'eau. Bah ouais, tâche mon salon. Du cranberry. Bah bonne idée, ouais. Au moins il y aura du challenge. Trop bonne idée. Ah. Quoi? Tu as des bouts de beurre. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a des bouts de beurre sur notre travail qui sont en train de fondre. Je te signale que le banana bread là, il s'est pas fait tout seul. J'ai faim, j'ai envie d'un McDo. On mange un McDo après? Viens, on mange un McDo en vidéo. Non. Mais non, mais abuse pas, toi aussi. Mon brushing! J'aurais pas dû boire toute l'eau depuis tout à l'heure parce que ça me fait gonfler le ventre. J'ai faim là. Au pire, on mange là devant l'ordi tranquille, on mange en regardant une petite vidéo. Mais t'as compris le principe de la vidéo? Bah, ça sera un. Essaie de ne pas cracher des frites. Cette vidéo n'a aucun sens. À la base, ça devait avoir du sens. Pour moi, on allait regarder une vidéo super drôle de 30 minutes et. Pas du tout. McDo sans manger de viande. Qu'est-ce qu'ils ont en vegan? Bon, Jérémy, sincèrement, arrête de vouloir dire à tout le monde, à toutes les sauces. Un gosse. Dès que tu peux caser le fait que tu manges pas de viande, tu le cases. Arrête avec tes pieds mouillés là, tu me dégoûtes! Alors, Océane 404, c'est quoi encore cette. Je vais vomir là, je vais bientôt quicher. Bonsoir les abonnés, ce soir des frites et filet poulet saumoride. Bon appétit, au revoir, bisous. Ah, tu dégoûtes. Ah, je suis dégoûté là. Il y a plus d'amour entre nous. Tu peux aller chercher de l'eau? Non, j'en ai marre. Mais on attend le McDo jusqu'au McDo. Non, mais j'en ai marre. Non, mais attends, faut finir les rushs. Je te force. Non, j'en peux plus là. J'ai mal au cœur, j'ai mal à la bouche, j'ai mal partout. Faire ce genre de vidéo avec un hypocondriaque, c'est impossible. J'ai mal au cœur, j'ai mal à la bouche. Elle est chaude. Je peux plus. C'est une fleur de tournade. Ça y est, on a vu assez de vidéos cringe pour la vie là. Il y a fin le McDo? Bientôt là, dans 10 minutes. Cette vidéo n'a aucun sens. J'ai pas interagi avec vous. M'en voulez pas. It's McDo time! C'était pas prévu. Non, mais le McDo il est léger. Hein. Toujours plus, le mec il a pris 40 sandwichs. Non, mais ils ont oublié des trucs, je te jure, c'est mieux. Ils ont oublié des trucs. C'est pas notre McDo, c'est gros le mec. Non, pas du tout. Genre, c'est un McDo à 11 balles. Oui, allô, et vous êtes trompé de commande en fait. Ok, merci. 15 minutes later. Ah ouais, t'es mal, je te dis, il y avait un problème de poids. En fait, j'ai trop envie de leur dire. De quoi? Ce qui se passe la semaine prochaine. Mais je peux pas encore parce que cette vidéo elle sort mercredi. Mais je peux vous dire un truc, c'est qu'en fait, dimanche, vous allez apprendre un truc de ouf sur YouTube et sur Instagram. Non, vous n'avez pas forcément de l'apprendre sur YouTube. Bon, allez sur Instagram. En plus, je vous fais gagner un sac de Saint-Laurent pour les 400 000 abonnés. Est-ce qu'elle est bizarre cette vidéo? On a une sponsor l'Occitane, des vidéos bizarres, ensuite on mange un McDo. C'est gênant. On va goûter ça. Un McFish. Ça fait pas filet au fish avant? Il est tiède, il est light. Il y a rien de dangereux. Hein? Ça te choque pas. Mais excuse-moi, t'as pris 10 ans dans la gueule dans cette vidéo. Tu fais des analyses de tout. Tu me dis, ça te choque pas qu'il est. Mais. Ça te choque pas qu'il est cette tête, mon verre? En fait, le principe de YouTube, c'est genre les gens, ils aiment ta réaction, tu vois. Bah, ma réaction, c'est mon mec qui a pris 10 ans dans la gueule. Voilà pour cette vidéo, je vous fais l'outro le lendemain, d'ailleurs après un McDo me parlait même plus. J'espère que ça vous a plu, sachez que dimanche il se passe un truc incroyable, voilà. Autant sur Insta que sur YouTube, enfin je vous l'annonce partout. Donc n'hésitez pas à activer les notifs pour pas louper tout ça et à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment de plus en plus active. Et je commence à bien aimer Instagram, genre c'est cool, même si je reste tout le temps sur YouTube, vous me connaissez. Et nous on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo.